Les étincelles. C'est sûrement Belvédère. Je parle à la personne qui dirige tout ça. Tu es tombé du ciel et tu as sauvé nos misérables vies.
D'où tu viens ? Un certain Akurt m'a prévenu, devant le village. Ce traître ! Je lui avais interdit de bouger. Je vais le mettre au fer. Il est mort. Quoi ? Cette raclure d'imbécile de vaurien qui me sert de frère. Pourquoi il n'a pas écouté ? Pourquoi ? Il avait peur pour toute la ville, autant que pour toi. Tu as une idée de ce qui peut attirer les étincelles ? Il y a eu un changement qui aurait pu attirer les étincelles ? Vous avez laissé des restes de machines ? Non. Les Océram récupèrent tout, pas comme les Karja. Ils ne gardent que ce qui est joli. Les Karja laissent traîner des carcasses. Ici ? Jamais. Si un Karja cachait des pièces sous mes yeux, je les ramasserais et je les lui ferais bouffer. Pourquoi tu crois que les Karja ont un lien avec ces étincelles ? On a bâti cet avant-poste pour se protéger des Karja, et voilà qu'ils viennent ici pour commercer. Bon, je vais pas cracher sur leurs éclats. Mais tout le monde sait qu'ils veulent cet endroit. Quand on y pense, ils veulent toutes les terres. Mais comment les Karja auraient amené les étincelles ? Si elles veulent bien me laisser tranquille, j'essaierai d'envoyer un de mes gars suivre la piste. Je te le parie, il va tomber sur un Karja au bout. Quel est ton rôle ici ? Je suis le maire. En partie parce que j'étais trop saoul pour dire non quand mon frère m'a demandé. Dis-moi où il est, et j'irai l'enterrer une fois qu'on sera débarrassé de ses étincelles. Tu le trouveras un peu au sud, le long de la rivière. Quel imbécile ! Vraiment, quel crétin ! Merci d'avoir été à ses côtés. Quelqu'un est venu pour vendre des leurres ? C'est des appareils qui attirent les machines. Ça existe ? Ou c'est un genre de blague de Nora ? Je prends ça pour un nom. Quelqu'un est venu pour vendre des leurres ? Ça existe ? Je prends ça pour un nom. Tu veux que j'enquête sur ce qui pousse les étincelles à attaquer ? Tu as déjà beaucoup à faire. T'es sérieuse ? Personne ne me propose jamais son aide. T'es douée pour le pistage ? On peut dire ça. Bon, très bien. Tiens-moi au courant. Ma main au feu, il y a un Karja derrière tout ça. Sans la moindre sommation. On aurait été perdu sans eux. Éteins-toi ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Par le soleil ! Il ne s'arrête pas ! Cet appareil pousse les étincelles à attaquer. Arrête-le ! Moi ?
Je ne sais pas l'éteindre, je ne sais même pas comment je l'ai allumé. Je l'ai trouvé dans un vieil atelier. Bon, ça devrait aller. Maintenant, explique-moi. Tu as trouvé cet appareil dans un atelier ? Oui. J'ai campé au sommet de la crête de l'Est enneigée. J'aurais déjà eu bien du mal à grimper dans ma jeunesse. Mais j'ai enfilé ma... Ça suffit. Est-ce qu'il y avait d'autres appareils dans cet atelier ? Du matériel abandonné, comme je n'en avais jamais vu. Dont un silo étrange qui a obstinément refusé de se laisser ouvrir. En fouillant, je me demandais combien de secrets peut bien receler ce monde. Tandis que nous autres ignorants vaquons naïvement à... Et donc ? Oh, non, je n'ai pas vu d'autre appareil. Mais il pourrait y en avoir un sur le point de semer le chaos. Est-ce que tu savais depuis le début que cet appareil attirait les étincelles ? Par le soleil, non ! Je l'ai rangé ici un moment, mais quand je suis revenu, j'ai failli me faire décapiter par un de ces monstres volants. Pourquoi prendre du matériel que tu ne comprends même pas ? Mes clients exigent des pièces extraordinaires, toutes issues des confins de la civilisation. Le récit de mes aventures augmente encore leur valeur. Là où les autres n'osent s'aventurer, je prospère. Aucune montagne n'est trop haute pour que je l'escalade. Mon métier exige des sacrifices. Y compris le sacrifice d'innocents ? Ces étincelles se sont mises à attaquer tout le monde. Je n'ai jamais voulu provoquer ça. Je voulais juste assouvir l'appétit de grands bourgeois qui ne quittent pas leur palais. Cet appareil est dangereux. Il faut que je trouve cet atelier pour m'assurer qu'il n'y en a pas d'autre. Où est-il ? Sur la crête de l'Est, juste après mon campement. Mais une fois que j'ai eu quitté l'atelier, un craquement en hauteur a retenti, annonçant ma perte. J'ai plongé dans la rivière quelques secondes avant que l'avalanche n'emporte la piste. On ne peut plus y accéder. L'accès est devenu trop dangereux. Je vais prendre le risque. Ne t'approche plus de cet atelier et évite de causer d'autres problèmes. Karja a dit que l'atelier était près de son campement sur la crête de l'Est.
Et voilà. Voilà le campement du pillard. L'atelier ne doit plus être très loin. À condition que j'arrive à contourner l'avalanche. Je vais devoir abandonner autre chose. Je parie que c'est un leurre qui a attiré cet oiseau tempête. Si je le trouve et que je le détruis, la machine repartira. Oh
maintenant de cet atelier. Varga dit qu'elle peut améliorer le foudroyeur avec ça. C'est Derval qui était derrière ces leurres. Ingénieux et dangereux. Je n'ai plus qu'à retourner prévenir Belvédère. Tu seras ravi d'apprendre que j'ai trouvé et détruit un autre leurre. Tu ne devrais plus avoir de problème. Par le feu et la braise, tu t'es vraiment donné du mal. Comment tu sais qu'il n'y en aura pas d'autres ? L'atelier où je l'ai trouvé est abandonné. C'est bon. Bien. Mes hommes tenaient à te cracher dans la main, comme l'aurait fait mon frère. Au nom du Belvédère et de ma famille, mille merci.